Le premier dimanche de carême est habituellement celui au cours duquel les catéchumènes sont solennellement appelés. Depuis quelques mois, voire quelques années, des adultes se posent la question de recevoir le baptême. Nous ne pratiquons pas le baptême pour les adultes de la même manière que nous le faisons pour les enfants. Pour les enfants, habituellement, les parents viennent rencontrer le curé ou des laïcs dans la paroisse et en une heure de temps discutent sur ce que veut dire le baptême. Pour les adultes, nous préférons que ceux-ci puissent petit à petit vivre déjà la catéchèse qui permet de comprendre qui est le Christ et comment il agit dans notre propre vie, pour que le choix qu'ils font soit un choix éclairé. Passer par le baptême, en effet, c'est passer de tout ce qui mène à la mort à ce qui mène à la vie. Le Christ nous dit « Tu veux être heureux, aime. Aime Dieu et ton prochain comme toi-même. » Et il nous le montre en aimant jusqu'à donner réellement sa vie. Alors, l'appel des catéchumènes va être la manière de signifier qu'ils ont encore quelques jours pour se préparer ultimement à, dans la nuit de Pâques, passer de cette mort du Christ à la vie, à la résurrection, et ainsi à trouver le vrai chemin de joie et de vie.